السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري مرحبا بكل متتبع جديد عاد نضم القناة ديالي ورحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى جميع الفيديوهات اللي كنقدم بالرغم من الوضع الصحي الصعيب اللي كنمر به ما نقدرش نخليكم تستناو إن شاء الله أنا دائما معكم وخا الصعوبات وخال الألم إن شاء الله غادي نكون دائما في جنبكم التلميذات والتلاميذ ديال المستويات الخامس والسادس اللغة الفرنسية الرياض. نشاط النشاط العلمي اللغه العربيه كذلك الاجتماعيه التربيه الاسلاميه جميع الفروض ان شاء الله غادي تلقاوهم عندي في القناه كنتمنى منكم غير تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلكم جميع الفيديوهات وكذلك تبارطاجيو الفيديوهات ديال القناه لاكبر عدد ممكن الاصدقاء والصديقات ديالكم باش تكبر القناه وكذلك باش يستافدوا اكبر عدد من التلاميذ والتلميذات المغاربه ان شاء الله ومرحبا بكم في هذا الفيديو اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي فرض من فروض اللغه الفرنسيه المرحله الثانيه المستوى الخامس ابتدائي الدوره الاولى الموسم الدراسي 2021 2022 اليوم وصلنا لا كونجيغيزون وبالضبط النموذج رقم 2 عندي 4 كاستيون هنا سون تري سامبل لا بروميير كاستيون كونجوغ لي فيرب اونت بارونتيز على امبيراتيف بريزون دونك هاد الافعال اللي هنايا كاينين اونت بارونتيز Nous l'impératif présent, c'est-à-dire l'amour. Agir, donner, applaudir, nous allons l'impératif présent. ou l'impératif présent, nous avons dit que nous avec trois personnes, ou qui ont un pronom personnel. D'accord Donc, nous allons nous deuxième personne singulier ou la première et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire la première personne du pluriel, nous, ou la deuxième personne du pluriel. Liez vous. savez? Donc agir. Agir c'est un verbe du deuxième groupe. ça la première personne du pluriel. C'est-à-dire, nous. Donc agir. agit, Agissant. Vous savez? Agissant. Donc agissant le plus vite possible. D'accord? Agissant le plus vite possible. Donc là, le verbe agir, ça s'en l'impératif présent. Et le verbe donner. Donner c'est un verbe du premier groupe. Il ça refait la deuxième personne du singulier singulier, c'est-à-dire tu donc Dans comme ça, Dans On comme les verbes du premier groupe, prennes-mais-tu, donc, normalement, mais-tu, normalement, mais-tu. quand le verbe donne, présent de l'indicatif. on va comme ça. Tu donnes, avec e s à la fin. Ou alors, l'impératif présent, les verbes du premier groupe, on dit s C'est vrai. Donc, un colo, Dans ce cadeau à ton frère. Dans ce cadeau à ton frère. Le verbe applaudir ici, le verbe applaudir aussi, c'est un verbe du deuxième groupe, première personne du pluriel. Donc, on déroule comme ça, applaudissant, applaudissant, applaudissant cet artiste, d'accord Le verbe applaudir, m's'refain, l'impératif présent. Donc, agissant le plus vite possible dans ce cadeau à ton frère. Applaudissant cet artiste. D'accord. Passons maintenant à la deuxième question. Suivez avec moi. La deuxième question. Suivez avec moi. Conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Hadl f'al l'ikinin bi naqosain radin sarfouhun f le présent de l'indicatif. Aou elhajah radin hadoufim ikinin hadl les verbes. Yani je mène groupe il appartient. Regarde. Faire c'est un verbe du troisième groupe. S'approcher c'est un verbe du premier groupe. Offrir c'est un verbe du troisième groupe. Au falloir, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord. Donc, ce sont des verbes normaux. le verbe. ada c'est un verbe pronominal. Le verbe pronominal qui est de se s'approcher. D'accord. Le bob à il le verbe faire du sport chaque matin. Donc il le verbe faire. Le verbe faire. Je fais, tu fais et il fait. Nous faisons, vous faisiez, ils font, ils font. D'accord, comme ça. Ils font au présent de l'indicatif. Avec il du pluriel, d'accord Donc, ils font du sport chaque matin. Passons à la phrase B, tu s'approcher du professeur. Donc, il had les verbes verbe pronominal qui a la conjugaison. Avant de conjuguer le verbe, par exemple, dit tu, c'est un pronom personnel. Ensuite, le pronom réfléchi c'est le verbe, et on utilise le verbe le présent de l'indicatif. Par exemple, on s'approche, mais tu, tu deux un pronom personnel ou te, c'est un pronom réfléchi. C'est la conjugaison du verbe. Donc, na, tu te, approcher, on a ah, le verbe du premier groupe manger, fermer, chanter. D'accord C'est le ER, vous êtes terminaison. Donc, approche comme ça je vais tu es kanzidou m bien, d'accord e, tu te approches au bien polo, tu te adote te e, ma a sont des voyelles tu t'approches du professeur d'accord comme ça c'est nous le verbe offrir le verbe offrir c'est un verbe du troisième groupe des cadeaux à notre professeur donc offrir euh, comme ça nous ouf nous offrons, nous offrons, nous offrons des cadeaux à notre professeur, d'accord. Des, il ne falloir. Le verbe falloir, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Donc, il ne faut, il ne faut pas, il ne faut pas que j'arrive en retard à l'école, d'accord. Il ne faut pas que j'arrive en retard à l'école. C'est bien. Donc, il faut. Tu t'approches. Nous offrons. Il ne faut. Question 3 maintenant, suivez avec moi. Barre le verbe intrus dans cette liste. Le verbe intrus, c'est-à-dire le fait alle ou dahi, Donc, il y a le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Le verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe répondre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, le fait qui est là le verbe « choisir ». ce sont des verbes du troisième groupe. Sauf le verbe « choisir », c'est un verbe du deuxième groupe. C'est très bien. Passons à la quatrième question maintenant. Relie par une flèche. Donc, Donc on a les, les sujets, c'est-à-dire les groupes nominaux. Et on les groupes verbaux. D'accord Donc, vous, les filles, nous. On a dit prenez soin de vos enfants, allons au parc de jeux, ont des droits. Donc, très belle, c'est un les pronoms pronom d'Ielina. Vous voyez Donc, on a dit vous, deuxième personne du pluriel, nous, première personne du pluriel, ou les filles, les filles, qui est la bonne ordre du pluriel, donc euh, troisième personne du pluriel féminin. D'accord On a dit les verbes en Altani. Un deuxième, le le groupe verbal a deux levels. Prenez le verbe prendre au présent de l'indicatif. Allant le verbe aller au présent de l'indicatif. On c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Hnaya prenez avec EZ le verbe prendre. Mais vous, donc vous preniez soin de vos enfants. Hnaya allant c'est le verbe aller conjugué avec nous. Nous allons, comme on nous allons au parc de jeux. Et on, il ils ont ou bien elles ont, d'accord Les filles ont des droits, d'accord Les filles ont des droits. Donc, vous prenez soin de vos enfants. Les filles ont des droits. Nous allons au parc de jeux. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est spécialement pour les personnes qui المستوى الخامس ابتدائي الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2021-2022 كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصل لكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم طبيعة الحال اللي بغى الفرد بي دي اف يتواصل معايا في النمرة اللي غادي نحطها في أول تعليق في هذا الفيديو كنتمنى أنكم عاوتاني تزيدوا تبارطاجيو القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش توصل لأكبر عدد من المتتبعين والمتتبعات والمستفيدين والمستفيدات كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته